Eh bien, salut tout le monde, les amis, c'est Kobuza et Ixa. Bonjour. On se retrouve pour à la suite de l'épisode c'est qu'on a tourné avant. Mmh. Voilà. Et du coup, moi, j'étais mort salement. Voilà, donc on se retrouve à l'endroit où je suis mort. Et Ixa, je sais pas toi où tu es. Ah, il y a Mew. Ah, bah, je suis là où t'as dit qu'il fallait redescendre. Ah. Et il y a un Mew, du coup. Oh, oui. Qui est énervé et qui est parti, d'accord, très bien. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de te rejoindre et on va faire la route ensemble. Ouais, ouais. On va essayer de partir en direction du troisième badge, que cette fois-ci j'espère pouvoir record correctement. Enfin, j'espère que ça me le supprimera pas sur tout ça. Oui, donc également, en fait, j'ai mis la qualité un petit peu trop dans le dernier épisode, donc du coup, enfin, vous le savez pas. Et en fait, j'ai mis 50 ans vraiment à upload le dernier épisode, voilà. donc ça fait plaisir. Bon, moi je redescends du coup à Azuria. Eh bah écoute, on va se retrouver à l'endroit, normalement il y a une intersection, on se retrouve ici. Ouais, attends, hop, je descends, je vais aller vite fait au petit centre Pokémon. Je sais pas, ils sont combien, ils sont level combien déjà, t'as dit, toi, t'es contre Poké? Ah bah t'es là, maximum niveau 24, hein, et c'est pas top, hein. Ah ouais? Ouais. Attends, moi, il y en a même pas un level 24. Ah, du coup, c'était appelé Hexakong, et bah vous avez vu que donc du coup maintenant c'est Hexakong, c'est plus Hexa... Ah oui, ah, même Hexa YT, ou je sais plus quoi. Ouais, je me suis dit, allez, c'est le fun, un peu et tout. Moi, en vrai, là, genre, j'ai juste Monkey qui est level 23, Léviator level 22, Pidgeotto level 20, Herbizarre level 19 et Nidoking level 17, donc c'est un peu la merde. Bon, du coup, on va où? Bah, écoute, suis-moi. Vas-y, je te suis. On va monter par là. C'est moi ou ça a bugué? Ah oui. Oh non, putain, j'ai cru que ça avait bugué, mec. Ça va, de temps en temps, ça bugue. Oh non, j'ai le fermé, non, va falloir... Je suis là. Oh, il y a un Dracolos, lui, il a pas eu le temps. Attends, ah non, c'est un Dracofeu, très bien. Attends, my bad. Tu disais? Oh, il y a un Octoplasma, là, mais... Oh, mais c'est quoi, c'est... Oui, j'ai vu. Et what? Et lui, il a un... Oh, moi aussi, j'en ai... Donc, du coup... Alors... Non, c'est pas ici, c'est là. C'est où? Ok, bon, je te suis, moi. Ici. Oh, il y a un... Alors, fais gaffe, là, normalement, il y a un Gogol. Attends, qui mais... te combat. Ouais, mais voilà, il va vouloir me combattre, ça, putain de fou de chien. Non, bon, bah, tu... Bon, du coup... Ah, oh, il y a un Carabaf, t'as vu? Où ça? En bas. Ah non, mais ah, c'est oui. Un mec, d'accord. Et bah regarde, il y a Carabaf. Là. Carabaf. Bon, attends. Bah du coup, ce que tu vas faire après, tu vas descendre. Ah, marre de combattre des abos. Tu verras, de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin. Donc moi, je vais y aller. Hop, covet. Poison, s'il te plaît, poison pas, ça. Voilà. Après, bah moi, je vais aller directement au... La prochaine route après le souterrain, donc on se retrouve au souterrain. Moi je vais XP un peu parce que ouais. Faut pas abuser. Hop, je descends. Ah, tu l'as déjà fini? Ouais, ça allait vite. Monkey, il est fort. Mais il y a quoi à droite? On peut pas y aller? Tu verras. Bah, essaye d'y aller. Ok, je vais être déçu. Ah, on peut pas, il y a mur invisible, c'est ça? Non, il dit en fait que tu peux pas. Ouais, d'accord, on peut pas. Après, il y aura un petit Timothée qui va t'attendre. Je crois que ça ramène à Lavandia là-bas. Je sais plus, attends. Ah, attends, peut-être. On va regarder non. La map. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? The Pumpy. Quoi, le roi citrouille? Qu'est-ce que c'est que ça? Rock Tunnel. Attends, si, hein. Si, ça ramène à Lavandia. Et là, on va en Saffron City. D'accord. D'accord. Ah, est-ce qu'on peut aller ici? Ah, il y a des baies là. Ah, intéressant. Ok, c'est nice en fait. Bon, du coup, je redescends. Du coup, t'es descendu en bas, ouais. Hop. Ouais, tu vas voir dans le souterrain, tu vas voir un adversaire. Côté... Un adversaire plutôt redoutable qui a 3 Pokémon niveau 18. Ok. Ah, t'es dans le. D'accord, dans le souterrain ici. Hop. Ouais. Alors, et du coup, attends, ils sont vraiment forts les Poké qu'il a? Qu'elle a? Et je vais donner une petite potion à Monkey. Franchement, il. Je l'ai battu, mais j'en ai eu des difficultés. Hein. Ok. Il y a pas de Pokémon là dans le. Tu... Oh là là, mais c'est pas possible. T'as fait quoi? Pff, bah écoute, attends. Ah, Timothy. Mec, ah oui. Il a 10 000 mètres. Bah non. Wow, vas-y, on va faire un combat. Vas-y. Ouais, Timothy. Sûr. Ah, sac de nœuds. Mais non. Ah, tu vas voir, il est tendu lui. Hein. Je sais pas quoi lui faire du coup lui. Mort sur insecte. Qu'est-ce que c'est ça? Partir sur Covette. Covet, c'est lui. Oh, c'est lui à rien. Ah oui, tu, oui. Ah, mais c'est lui qui a un Novenar là que t'as dit la dernière fois. Oui. Oh putain, bah je garde Monkey alors.
Vas-y, on va envoyer Roucoups. Oh putain! Ah ouais, mais moi j'ai rien pour le taper, le Venin, hein, si... Ouais, j'ai Léviathan. Attends, mais lui aussi il a 3 Pokémon, mais faut pas abuser. Ça a bugué, non? Ah non. Oh, c'est non. Juste de temps en temps. Oh merde! Ah mais non, c'est que je peux pas switch, d'accord. D'accord, bon. Bon, on va y aller à coup de Karate Chop. Yo! Bon, War Turtle va nous lâcher. C'est dommage, ça. Oh putain, le bâtard, il m'a squeezy. Samy. M'a squeezy. Oh là, prochain coup on le tue, blind. Allez, boum. Je pense que là pour l'instant Sand Slash va pouvoir être utile. Monkey Squeezed. Yes, c'est bon, il a battu, il va passer le level 24. Nice. Ah oui. Hop. Ponyta. Ouais, bon, on va changer de poké. Non, mais attends, Ponyta il. Très bien. Allez, Ponyta il le tente. Karate Chop. Gros Karate Chop dans sa mère. Mimique. Ouh putain, j'aime pas ça. Allez, gros Karate Chop, tu l'as tué. Putain, il l'a pas tué. Bon, allez, tu résistes encore un petit coup et tu mets un gros Karate Chop. Stomp. Ah, il est pas mort. Oh non, il l'afflige. Oh non, c'est dégueulasse. Ah, ça, je dis non. Ah, ça se fait pas. Voilà. La décevance. Rip Monkey. Alors. Ah, Psycho Quack, intéressant. Psycho Quack. Mais je n'attaperai pas. Parce que useless pour la prochaine arène, tout simplement. Parce que useless. Parce que victim boss. T'as le mec qui brasse. Oh putain, là tu mets un montage. Le victim boss. Hop. Bon, du coup, lui je peux plus le capturer. Enfin, je peux plus le capturer. Oui, capturer un dresseur, super. Non, je peux plus le. Mais qui capture un dresseur, il y va. Il balance, tu sais, il balance la Pokéball sur le dresseur, il s'en bat les couilles. Du coup, et le Vénard. Oh non. Wesh, on m'invite dans des conves normales. Hein? Ils m'ont invité dans des petites conves, les mongols. Ah oui, alors à tout moment, on vous l'a pas dit ça également, mais à tout moment, il y a un mongol qui rentre dans la conve. Hein. À tout moment, on s'est pas mis dans des conves séparées. Ah oui, donc, d'accord. Donc à tout moment, il y a un autiste qui rentre, qui fait... Oh là là là. Là, ça va être la chaîne de combat. Alors, je vais me préparer. Tiens, je viens de voir que mon fond vert était bugué. Bon, ça va, je vais me rendre compte. C'est une pique-niqueuse. Les pique-niqueuses de base, elles ont quoi? Elles ont des mélofées, des rondoudous, des trucs kawaii, je crois. Ouais, des trucs de merde comme ça, quoi. On va prendre Dodio alors. C'est quoi la logique? Ils ont des trucs kawaii, du coup, on va prendre Dodio. Parce que lui, il les arrache. Il y a pas le temps. Pas du tout, c'est des roues cool donc. Oh, Chanty qui l'a. Dracorage. C'est nul, ça fait perdre 40 HP à chaque fois. Bon, à la place de Splash là, de. Enfin. Et la vive attaque au niveau 16, d'accord. Trempette qui ne sert absolument à rien. Ouais, très bien ça, nickel. Allez hop, je suis ressorti. On va essayer de faire activer un peu le compte Bulle Bizarre aussi, enfin Air Bizarre. Air Bizarre, il a pas encore d'attaque bien. C'est quoi ça? Pourquoi dans des armes il y a des trucs chelous là? Pardon? Pourquoi on a eu... Oh non, mais la 10 mètres! Ah, mais c'est lui qui parlait, je pense. Catcher oui. Geigo là, Geigo. Est-ce qu'il a des aspicots et des cheveux nippants? Attends, ah oui, celui. Oh, mais il était à 10 mètres! T'as vu? Eh, mais c'est. Mais c'est choquant quand même! Eh, faut arrêter là! Le mec, il était à 10 mètres! Oh là là! C'est quoi? Oh putain! Oh, mais je suis choqué de ma vie! Putain, en plus, il y a des pokés de merde qui font aucun XP quoi! Oh, Roucoups! Ok, là, je suis chaud! Ah, Dodio qui passe niveau 23, intéressant. Dodio. Y'a quoi dans notre terme ici? Bah Dodio, de toute façon on va... Oh, on va tout ce qu'il y a. T'as vu? Mec, on peut choper les coquillasses. C'est trop marrant. Ah, j'en veux un. Ah bah ouais. Oh putain, mais mec, il y en a plein de rares. Va falloir essayer de les choper vite fait entre deux, trois épisodes là. Par contre, je m'entends double, c'est un peu perturbant. Comment ça, t'entends double? Je sais pas, c'est peut-être ton son qui est un peu fort. Mais c'est pas grave. C'est bon là? Là ça s'entend plus, ouais. Ok, je suis beau, c'est peut-être que j'avais mal remis mon casque. Que heureusement que j'ai mon Arbok qui a Ice Fang qui permet de faire très mal aux oiseaux. Ice Fang. Hop, ok. Et qui passe niveau 21, putain, ça y est, ça va être la montée de niveau d'un coup là. Mais là ça me fait gêner parce que je monte au coup, même si je sais qu'il va me servir absolument à rien. Ah oui, mais il y a encore 3 combats. Oh, comment je vais faire? J'ai vraiment pas envie en fait de remonter et soigner mes Pokémon. Ouais, hein. Moi aussi ça me saoule. On est à 9 minutes. Attends, bon, mais eux là, ils sont deux.
Camper Jeff. Ok. Alors, comme ça, tu peux te dépasser qu'avec ta tête. Ah, mais ils ont pas mis des combats doubles. Ça a pas l'air. D'accord. Et elle a un ratatouille au 16. Ça ne la dérange pas, il a jamais volé son truc. Oui. D'accord, il évolue pas, bon, très bien. C'est au niveau 18, non? Non, 16? Je sais pas combien c'est en fait. Mais c'est chelou, genre. Ah ouais, mais vu qu'il a que deux évolutions, peut-être qu'il a pas. Ratatac... Il m'a mis un coup critique, il s'en bat les couilles! Oh, je suis. Ratatac okay. Niveau 18! Ça va être chiant. Oh il a faux. Oh non, il est. Oh bon, bah, arrête. Oh, il fait pas de dégâts! Oh, s'il te plaît, freeze! Ratata, putain, c'est tellement OP des fois. Ça va rien dire. Oh putain! Il faudrait essayer de descendre. En soi, là, la prochaine ville, elle est pas si loin, mec. Hein. Ouais, je sais, c'est juste. Mais tu vas voir, mais il y a une vague de dresseurs en bas, tu peux pas les esquiver. Il y a une vague de dresseurs. Regardez-les. Moi, il me reste que Léviator, Roukou, c'est Nidoking là. Un bizarre, et Monkey, ils sont crevés. Donc, ouais. Il me reste Sablero et Roselia alors. Elle a un putain de Pikachu lui. Ah je l'ai pas vu lui. Hyper Fang. Oula. Oh mais là. Ça mec ça fait trop de dégâts, ça veut rien dire. Oh il est flinch. Oh non, c'est la défaite. La défaite. Non parce que tu veux que je fasse quoi avec mon Sablero niveau 18 contre un Ratatac niveau 18. Ratatac. Oh là 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 là. Oh je sais. Et ça va être la merde. I know it. Quand Kobuza prévoit tout. Kobuza achète des rappels. Mais t'as acheté un rappel? J'en ai deux. Mais comment ouais, Nidoking il peut être paralysé? C'est un putain de type sol. Non mais. Oh là là, en plus il est pas crevé, mais je suis chaud. Alors comme ça on meurt? Il est même pas mort! Mais putain. J'y crois pas. Est-ce que tu peux attaquer en premier s'il te plaît? Ah c'est bon, il l'a enfin tué. Mais il est pas capable d'attaquer en premier. Et mec, je sais pas si ça va passer la fin de la route là. Vas-y, attends, je semble de passer vite. Oh là là. Ah ouais, bon, lui, ça va pas être possible. Voilà, de l'esquiver, c'est pas possible, hein, mais évidemment. Arbok! S'il te plaît, freeze-le! Go. Oh oui! Il a mis l'attaque! Papillusion contre Coups. Putain, il va me sortir les poudres dodo, des trucs j'ai de merde. C'est tendu! Mais c'est tellement tendu! J'ai encore un rappel, je vais le rappeler. Mais c'est autant la PLS que ça? Ah oui, ça... Putain, je vais appeler Dodio mais... parce qu'il est vite. Il va vite. Très bien. Oh, mais Roukou il a pris tellement cher sur un putain de butterfly. Très bien. Je savais qu'il a fait un coup critique. Putain, mais il fait archi beaucoup de coups critiques le rat attaque. Ah, mais hyper fin que je crois que c'est une haute truc chelou. Mais attends, non, je pourrais pas la passer là. Déjà, si toi t'es obligé d'utiliser des rats. Oh oui, il va attaquer. C'est bon, j'ai gagné. Attendu hein. La bio attaque. Dodio qui sera toujours là pour sauver la mise. Hein. Non mais lui, à chaque fois, ça fait deux fois qu'il me sauve la vie. Et là, ça va faire la troisième fois. Mmh. Bon, je vais aller soigner vite fait. Putain, c'est loin. Moi aussi, parce que c'est plus possible. Oh, un Snubble. Ah non, un grand. Allez, on tente. Non, on force pas. Non. Regarde, attends, juste fais là. Viens. T'étais là. Regarde, juste viens. Regarde la vague de dresseurs là. Il y en a trois. Et tu peux pas les esquiver. Ah ouais, mais d'accord. Même et j'en ai fait 2 sur 3. Oh. Non, vas-y pas. Moi bon. Je vais aller me soigner. On va aller soigner vite fait. On a combien de temps? 13 minutes, ouais. Ça va. Ouais. Putain, mais putain, non. Et après, il y a tout le Lavandia, hein, mec, à faire. Enfin, tu sais, le. Non, mais putain, je dois faire un psycho quoi dans vos termes. Vas-y, je fais un combat alors. Non, mauvaise idée, j'ai plus que deux coups. Non, mauvaise idée. Mais non, c'est pas possible avec la carte. Qui... Mais c'est pas possible! Oh le changement de niveau d'un coup là! Ah, mais le nombre de dégâts! Surtout que les Pokémon dans les zones herbes ils sont nuls! Mais les dresseurs par contre, voilà! Ouais, ils sont... c'est ça, les dresseurs avec le tarot! Putain! Hop! Allez, on va retraverser! En fait, limite, j'aurais dû perdre avec mon Doduo, comme ça, moi je serais directement TP Azuria! Ouais, mais. Ah ouais, limite, ouais, c'est toi quoi! Mais aussi Timothy là, putain, il m'a fait tellement chier lui avec toutes ces trucs. À partir de lui, j'ai commencé à galérer quoi. Ah oui, et j'ai ragé aussi parce que je pensais qu'il allait nous donner coupe. Enfin, Léo, ouais. Je l'appelle Léo parce que. Non, même pas, ils en foutent. Bill, ouais, mais limite, on est obligé d'aller le voir, on peut pas se barrer comme ça en mode yo. Parce qu'au final, il sert à rien en fait. Enfin... Bon, il donne un petit ticket, il est content. Ah, mais il a donné un truc quand même. Ah, ouais. Ah, parce que moi j'ai cru qu'il avait carrément rien donné. Genre, le mec, bah les couilles jusqu'au bout. Oh, il y en a, ils ont des vélos.
Oh, par contre, ça j'en veux un. C'est parce que c'est tellement long. De quoi? Il y a un mec qui a 6 Ajax. Mais non. Dédicace à Siroxy. Siroxy? Siroxy! Siroxy? C'est qui la qui? Palala, 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 c'est bon, je suis au centre Pokémon. Allez, maintenant fais tout l'aller-retour. T'es au centre Pokémon, ça y est? Moi je viens de partir. Putain, c'est tellement la hesse. Et là, ça aurait été deux épisodes de farm. Il me fait tellement envie, putain. Et ça aurait été tellement deux épisodes de farm. Après, je crois, une fois que t'arrives là-bas, non, il y a encore la grotte Topiqueur qui est vraiment relou. Mais après, je crois que ça va mieux. Oh, et surtout que la grotte Topiqueur va avoir Flash. Ah ouais. Ouais, mais je crois que c'est simple. Enfin, je m'en rappelle plus ou moins ensuite du. Comment on passe. Moi non. Déjà que dans la le mont machin là, je me suis perdu. Alors qu'à la base, c'est la montagne la plus facile du jeu. Mais dans le jeu normal, il faut pas avoir Flash dans ça. Si, je crois que si. Non. C'est dans la cave Topiqueur, je crois. Je fais du tout dans la cave. Je sais que la cave. Mais en soi, la cave Topiqueur, c'est tout droit en fait donc. Je crois que t'es pas obligé d'y aller. Ah oui, si, non, la cave Topiqueur, c'est une ligne droite, ouais, je sais. Eh, il veut pas que j'avance. Ça a bugué? Non. Attends, est-ce que les mecs bougent? Mais attends, oui, ils bougent pour moi. T'es sérieux? Ah, s'il vous plaît. Et par contre, ouais, c'est vrai que les montures, c'est super intéressant si tu veux chasser. What? Mais je suis bloqué dans un vieux truc, putain. Bon. Oh là là, je suis choqué. Allez, on tente le Psychic Wade. Oh! Mais c'est même pas un combat! Qu'est-ce qu'il me veut? Mais attends, mais depuis quand tu passes là, t'es bloqué après? Ah, il veut me parler ici. Attends, donc c'est un mec psy. Du coup, ce qu'il me faut, c'est de l'insecte. Mais je n'ai. Oh, c'est qui a un attaque insecte? C'est Sunslash. Oh là 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 là, tu vas me sauver la vie. Bon, j'étais obligé d'utiliser une corde sortie pour retourner. Non mais mon bonhomme il veut plus bouger, on en parle. Pardon? 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 Quoi? Le TP absolu. Pourquoi tu dis ça? Il m'a TP. Attends, c'est... Non. Je te spoil pas mais c'est un désastre. C'est et un mon désastre. Gars, je suis bloqué, je peux plus bouger. Je reconnais là où je suis. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est tout détruit? Ouais, j'ai pas voulu utiliser une corde sortie pour ça. Parce que ça me saoulait de l'utiliser. Je suis bloqué dans le centre Poké, je peux plus bouger. Bon bah, va falloir que je redémarre le jeu, je pense. Bon, de toute façon, on arrive à la fin de l'épisode. What the fuck? Oh là 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 là. Attends. T'en es où toi? J'essaie de comprendre. Je vais pas te spoil parce que c'est là, c'est quelque chose. tu verras par toi-même et que tes viewers verront par eux-mêmes. Mm. Et c'est choquant. Putain. Parce que c'est. Kubuza, non, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'arrêter ça. J'espère que c'est un rêve, hein. Bon, bah, du coup. Pourquoi y'a Peter? Pourquoi y'a Peter? Bon, du coup, on va laisser KBZ craquer de son côté. Je vais redémarrer le jeu, du coup. Et puis, bah, on se retrouve dans le prochain épisode. Du coup, l'épisode numéro 7. Et puis, bah. What the fuck? Je veux pas contre Peter! D'ici là, on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde. Allez, salut les copains. À plus.